Yo les bros, on se trouve pour un actu série. Ici on parle de l'actualité de vos séries préférées. Alors aujourd'hui on a dit lourd. On va parler de Rick et Morty, on va parler de Caris, on va parler de Norman, on va parler de One Piece, on va parler de Sex Education. J'ai fait une seule vidéo sur Sex Education, mais bref, restez jusqu'à la fin de la vidéo. La vidéo va se passer bien. Restez zen. Le premier news c'est sur Caris. Enfin, il y a deux news sur Caris. Il y a déjà un. Caris, il va sortir une série où il va jouer le rôle d'un policier. Déjà, je vais regarder la série, je vais voir. En fait, Caris, il avait plein de séries, mais moi, j'ai jamais regardé, j'ai regardé aucun. Je vais essayer de regarder un. Et la deuxième news sur Caris, c'est qu'il y a un des musiques de Caris qui est sorti dans The Boys, enfin, dans un des épisodes de The Boys. On attendait la musique de Caris. Désolé, j'ai pas encore regardé la série. Pour l'instant, j'ai trop de trucs à regarder. Mais dites-moi si vous avez regardé la série et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ça fait plaisir parce que je kiffe le rap. Et là, il y a des raps et des séries en même temps. Ça fait grave plaisir. Et la troisième news, c'est sur Rick et Morty. Et on va dire Rick et Morty est Normal mélangé. Vous allez comprendre. En gros, dans la saison 4 de Rick et Morty, Norman sera dedans. Mais on va dire il va faire la voix de quelqu'un dedans. Franchement, félicitations à lui. J'ai même mis une vidéo sur ma chaîne. En gros, où il dit qu'il va faire. Il va sortir dans Rick et Morty. Mais il partait sur ma chaîne. C'est ma dernière vidéo. Je l'ai sortie hier. D'habitude, là, vous voyez ça. On va dire. Vous partez, vous pouvez le voir. C'est pas une news de ouf, mais ça fait plaisir. Félicitations, toi, Norman. Alors, la quatrième news pour tous les fans de One Piece et pour moi aussi, parce que je suis un grand fan. Ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, mais bref, il y aurait une série Netflix sur One Piece. En gros, ce sera des vrais acteurs qui jouent. Je vais peut-être faire une vidéo dessus. Franchement, j'espère que la série va être bien parce que, en général, les films qui s'inspirent des mangas ou des animés, c'est. Ça pique les yeux, c'est très mauvais. Mais aujourd'hui, j'ai regardé Bleach, un film, ça va. C'était pas ouf, mais c'était pas mauvais. Mais par exemple, Death Note ou Dragon Ball Legends et Evolution. Non, Dragon Ball Evolution, faut pas parler de ça parce que là, c'est un truc. On passe aux prochaines news. J'espère qu'il y a des gens qui kiffent les animés ici aussi. Et la news principale, c'est sur Sex Education. Franchement, j'ai grave kiffé la série. J'ai regardé les deux saisons. J'ai regardé, je crois, pendant le confinement. J'ai grave kiffé. En gros, dans la saison 3, il y aura un acteur d'Harry Potter. Harry Potter, parce que c'est une série connue de ouf. Ça veut dire, même si qui fait rien de la série, juste l'histoire de la série un peu. On va dire, t'es devenu une star. Non, je rigole. Mais un des acteurs de Harry Potter. Dans Harry Potter, je crois que c'est un méchant, j'ai pas regardé Harry Potter, je suis désolé, qui va arriver dans Sex Education. En gros, il va être le frère du directeur. Franchement, je suis pas trop prêt. J'ai pas encore regardé Harry Potter, donc je peux pas dire si c'est une bonne news ou c'est une mauvaise news. Mais franchement, j'ai grave kiffé faire la vidéo parce que dans les actus séries, j'ai parlé de vos séries préférées. Et frère, s'il n'y a pas ta série préférée, dis-moi dans les commentaires ta série préférée. En tout cas, si vous kiffez les séries, parfois je parle des animés, mais si vous kiffez les séries, abonnez-vous et on dit peace.